Alors oui, je suis un pigeon, mais je ne suis pas un pro Apple, et dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble lequel est le meilleur, iOS ou Android. Petit avertissement, cette vidéo n'a pas pour but de faire une guéguerre dans les commentaires. Respectez-vous, donnez vos avis, mais on se calme, il ne faut pas se battre pour iOS ou Android. C'est tellement compliqué de les départager que je vais essayer de faire dans l'ordre. On va commencer par iOS, les points positifs. On va aller sur Android, les points positifs. Et entre deux, j'essaierai de dire les comptes. Bon, c'est de l'organisation à la Tukiwanti. Un petit abonnement, ça me ferait plaisir, hein, dans l'élan. Allez-y. Les puces d'iOS, donc sur iPhone, c'est l'écosystème. En gros, tout est connecté. Que tu aies un Mac, que tu aies une tablette, que tu aies une Apple Watch, un smartphone, tout est connecté, tu peux commencer à écrire un texte sur ton iPhone et le continuer sur Mac sans te prendre la tête. Sans manipulation compliquée, tout est automatisé sur iPhone, donc sur iOS, c'est juste du grand art. Là, Apple, c'est bravo. Sans parler du transfert de fichiers qui est aussi très très simple avec Apple, le AirDrop, tout se fait rapidement, en 2 secondes, c'est vraiment pas compliqué. Mais le problème, c'est qu'il faut tout avoir Apple. Des pépettes quoi. Et oui, Apple, c'est pas réputé pour être pas cher. Les autres plus hein, chez Apple, c'est par rapport aux jeux. Les jeux sortent généralement en premier sur iOS. On a des exclusivités, même si elles ne restent pas longtemps. Et surtout au niveau de la stabilisation des jeux. Vu que les jeux sont développés juste pour les smartphones Apple, et bien tout simplement, ils seront mieux optimisés. Donc ils fonctionneront mieux, feront moins chauffer le téléphone, etc. Bon, on va dire qu'il faut moins de puissance pour faire tourner un jeu gourmand, alors que sur Android, il faut beaucoup de puissance pour faire tourner ces jeux si on veut qu'ils soient aussi stables que sur iPhone. Mais il n'y a pas que les jeux, il y a aussi les applications. Sur iOS, donc Apple, ils ont un cahier des charges bien plus exigeant que Play Store. Donc les applications sont beaucoup mieux développées, mais il y en a moins. Il y a moins d'applications aussi. Après, à savoir, si on a besoin de toutes ces applications, je crois qu'il y a le double sur Play Store, mais bon, double d'applications, mais double de mêmes applications. Tu peux avoir 50 000 applications de fond d'écran, alors que tu n'en auras que quelques-unes sur iOS, etc. Donc voilà, mais ça reste quand même bien plus optimisé sur iPhone, et donc moins de bugs, ce qui est normal, vu qu'on a moins de smartphones et moins de variétés, comme sur Android, où tu peux trouver toutes les marques du monde. Il est plus bizarre, d'ailleurs. Comme Yestel, par exemple. Je sais pas si ça existe encore. Et pour rester dans l'élan, ce qu'il y a de plus chez Apple, c'est leur puce. Ils ont leur propre puce maintenant en 2022. Et il faut dire que leur puce, c'est des bijoux de technologie qui fonctionnent très bien, qui chauffent pas beaucoup, qui consomment pas beaucoup. Et là, bravo Apple. Samsung le fait maintenant. Google le fait. Et je crois que c'est tout. Je peux dire des bêtises, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Après, à dire que Google et Samsung font aussi mieux qu'Apple. L'autre point positif chez Apple, chez iOS, toujours pareil, c'est les accessoires. Sur iPhone, tu vas trouver tellement d'accessoires sur le net, que ce soit en Chine, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur tous les magasins, les stores, même aux centres commerciaux d'ailleurs. Apple, tu trouveras toujours ce qu'il te faut. Des écrans, des coques, des chargeurs, des supports voitures. Bon, là c'est KO parce qu'avec toutes les marques Android qu'il y a derrière, il suffit que tu achètes un Wiko, tu auras ton Wiko, mais pour trouver un écran pour ton Wiko ou une coque pour ton Wiko ou même un Humidigi, t'es foutu. Là, c'est mort. Si tu dois changer la batterie, par exemple, pareil, ça reste compliqué, tu casses ton écran, c'est compliqué ton dos, c'est compliqué. Sur iPhone, tu vas sur une boutique directement Apple, ils te changent ça dans la journée. Même dans les autres boutiques d'ailleurs, c'est fait dans la journée, ils ont tout en stock. Par contre, c'est très cher, ça fait mal, oui. C'est sûr qu'il faut peut-être faire un crédit si tu veux changer d'écran, mais au moins c'est faisable. T'emmènes ton Wiko ou ton Humidigi ou ton Yestel, et non, c'est fini, il est cassé, c'est à vie, tu ne pourras pas changer les pièces. D'ailleurs, je parlais de batterie, mais aussi l'optimisation. Apple n'était pas très doué à l'époque sur les batteries, il faut l'admettre, mais depuis l'iPhone 11, je crois, c'est peut-être le 10, non, c'est l'iPhone 11, l'optimisation de la batterie a été grandement améliorée. Ce qui est bien avec iOS, c'est qu'ils arrivent à avoir une batterie plus petite, donc sur les iPhones, et d'avoir une autonomie aussi bonne, voire meilleure que certains Android, même beaucoup de smartphones Android. On sent le travail derrière. Pareil, quand tu vas acheter un iPhone, t'as pas de pub, en tout cas t'as pas d'application pub à l'intérieur. T'achètes un Android, tout dépend des marques, tu peux avoir 50 000 applications pourries préinstallées dedans. Et c'est vrai que ça rassure pas, tu te dis, tu sais où tu mets les pieds quoi. Mais le truc méga important, moi, qui m'a impressionné chez Apple, c'est la sécurité. Vu qu'on est sur un circuit fermé avec iOS, donc ça reste toutes les données restent chez Apple, ils mettent ça en avant, la sécurité. Ils demandent l'autorisation pour la localisation de l'application, même Android le fait, mais ils demandent l'autorisation pour les notifications. En tout cas, c'est beaucoup mieux contrôlé, beaucoup plus sécurisé. Même si Android s'améliore chaque jour, iPhone, iOS, là-dessus, est devant. Et Google, lui, vit par rapport à tes données, tes informations personnelles qui vont vendre à tout le monde et t'écouter en permanence. Et là, c'est un petit peu moins. Un petit peu quand même. Autre point important qui s'améliore chez Android, c'est les mises à jour. Tu achètes un iPhone, tu es tranquille 5 ans de suivi de mise à jour, donc tu iras sur iOS, je sais pas combien. Et c'est vrai que quand tu achètes un iPhone et que tu es tranquille au moins 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, l'investissement est différent. Tu vas chez des smartphones Android, toujours pareil, ça va dépendre des marques. Tu vas chez Samsung, je crois que tu as 4 ans de suivi, ce qui est plutôt pas mal, et 5 ans de suivi sécurité. Tu vas chez, on va pas dire Wiko, on va dire une autre marque, ou Kitel, par exemple. Non, tu n'as pas de suivi, je pense que tu achètes ton téléphone, tu as Android dessus, c'est mort. Après, il y a plus rien derrière, ton téléphone est foutu, tu
tu le gardes 6 mois, 1 an, quoi. Sans parler du marché de l'occasion, t'achètes ton iPhone 1000 euros, tu le gardes 1 an, tu vas le revendre 700 euros. Achète un Galaxy S22, 800 euros, tu vas le revendre 400 euros derrière. Allez, peut-être 500. Je suis gentil. Et encore, je parle de Samsung, hein. Je parle pas d'un Wiko. Ou des bonnes marques un petit peu moins connues dans le marché européen comme Vivo, même s'ils font des excellents smartphones, bah, sa valeur va diminuer grandement. D'ailleurs, même neuf, hein. C'est quelque chose à prendre en compte. Et dernier point que j'ai trouvé chez iOS, bon, Apple, toujours pareil, qui est mieux, c'est le SAV. T'as un problème avec ton iPhone, le SAV Apple, c'est réputé, c'est rapide, il te trouve une solution dans la journée. T'as un problème sur un Android, on parle toujours des grosses marques comme Samsung, hein, parce que si on va chercher les petites marques, bah c'est fini, t'as plus de téléphone, ou alors il part 4 mois en Chine. Même sur Samsung, des fois tu attends 2 mois pour avoir un téléphone de remplacement, etc. Franchement, c'est compliqué. Ou alors ils te prêtent un téléphone, mais qui est complètement pourri, et des fois, il vaut mieux pas en avoir. Alors voilà pour moi les points positifs de chez Apple. Dites-moi en commentaire s'il y en a d'autres pour vous, mais pour moi, c'était les principaux à vous présenter maintenant, pas chez Android. Parce qu'il y en a quand même, hein. Je n'ai pas déglingué Android, j'ai dit les points positifs d'Apple. Attention, là on va inverser la vapeur. Voilà, là j'ai mon pot aux mains, on passe chez Android, les points positifs. Eh ben le gros point positif chez Android, hein, c'est le prix et la gamme de choix. Parce que si tu n'as pas beaucoup de budget, Apple tu oublies, Apple c'est du haut de gamme. Et Android, bah t'as tous les prix, tu peux aller de moins de 100 euros à plus de 1000 euros d'ailleurs. Mais voilà, l'avantage c'est le choix et la gamme de prix, donc c'est vraiment pour tout le monde, pour tous les budgets. Et ça, Apple ne fera jamais le poids. En tout cas pour l'instant, next. Le rapport qualité-prix, bah oui, un smartphone à 1000 balles chez Android sera beaucoup plus puissant qu'un iPhone, mais qui sera peut-être mieux optimisé. Rapport puissance, prix, pièces, etc. Android toujours loin devant. Surtout les smartphones chinois, là on est encore... Je disais qu'iOS était bien optimisé, mais l'avantage d'Android, c'est la personnalisation, les surcouches. Chaque constructeur a sa petite surcouche. Il y en a qui préfèrent simple, il y en a qui préfèrent plus compliqué. Et c'est vrai qu'on a Android de base, mais avec une surcouche comme Oppo ColorOS, comme Xiaomi avec MIUI. Enfin bref, on a plein de surcouches, on a plein de personnalisations possibles. Tu as des applications launcher installées que tu ne trouveras jamais sur iOS. Tu peux personnaliser ton téléphone à souhait, dans les toilettes, changer la couleur des icônes, changer tes fonds d'écran, faire ce que tu veux, et l'écran Always On Display, donc en AMOLED que tu n'as pas chez iPhone, iOS. En tout cas, tu n'as pas d'Always On Display. Tu as l'AMOLED, mais pas l'Always On Display. Pour ceux qui ne savent pas, l'Always On Display, c'est l'affichage en permanence, comme ça, à l'écran verrouillé. Autre point vraiment important chez Android, mais le truc tout bête, c'est... l'extension de stockage. Bah oui, un smartphone à 90 balles, tu as peut-être 64 gigas de stockage, et bah tu pourras rajouter une carte SD de 500, et tu te retrouves avec un smartphone bah, avec une énorme capacité de mémoire, de stockage, pardon. Et sur iPhone, bah tu peux pas rajouter de SD, et tu dois payer bien plus cher si tu veux avoir plus de capacité. Donc c'est quand même plus compliqué. Et l'autre point positif chez Android, l'USB type C. Alors sur iPhone, on est sur Lightning. J'ai complètement oublié le nom. Là, on est sur USB type C, sur la plupart des Android, en tout cas tous les Android modernes, et c'est plus rapide et c'est universel. Tu n'auras pas que les smartphones à charger, tu peux charger maintenant des mini PC, tu peux charger des montres connectées. Non, peut-être pas. Enfin bref, tu as plein d'appareils compatibles USB type C. Truc complètement dingue chez Android par rapport à iOS aussi, c'est le transfert de données. Alors oui, si tu es tout Apple, si tu es pété de thunes, tu transfères tes données facilement. Mais si tu veux passer sur Windows, c'est la galère. Tu peux transférer les photos, mais attention, c'est un petit peu chiant. Sur Android, c'est comme si tu branchais une clé USB sur ton PC, tu as accès à tout, tes applications, tes fichiers, tes sous-dossiers, tes photos, tes vidéos. C'est clairement plus simple que sur iPhone. Après, c'est un petit peu moins sécurisé aussi. Sans parler des innovations Android, faut dire que maintenant Android avec toutes ses marques, c'est 10 fois plus d'innovations qui arrivent en même temps qu'Apple. Bah, ils sont tout seuls, même s'ils ont beaucoup de budget, même s'ils investissent beaucoup et qu'ils sortent des nouveautés quand même, hein, ils sont meilleurs parce que quand ils font quelque chose Apple, c'est pour le faire bien. Bah, on a l'empreinte digitale sous l'écran. Tu me diras, iOS n'en a pas besoin avec le Face ID, mais voilà, empreinte digitale sous l'écran, c'est une technologie Android. Tu as la caméra sous l'écran qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as l'écran pliable de chez Samsung ou même Oppo, etc. Bon, t'as plein d'innovations Android. C'est vrai que c'est top pour ça, innovation, si tu veux des nouveaux trucs. On va dire qu'iOS, Apple sont quand même 2-3 ans en retard, facile. Et pour finir, pour moi, le truc méga important, c'est le truc tout bête, hein. Sur Android, tu peux cloner tes applications. Ça dépend des smartphones que tu as Android, la marque, que chez iOS, tu peux te gratter. Ou alors, faut pareil, installer des applications, mais qui restent payantes, et ça reste plus compliqué que sur Android, le clonage d'applications. Ah, bref, c'est tellement ouvert que tu n'es pas limité. Tu peux tout faire et attraper aussi tous les virus. Pour avoir des musiques gratuitement, bon, je suis en train de m'éloigner, là, je pars dans quelque chose que je ne dois pas dire, mais je pense que vous m'avez compris. Alors, pour conclure, iOS, iPhone, le combat des titans, et bah écoutez, ça va dépendre toujours de vous. Je peux pas vous dire prenez iPhone, prenez Android. C'est pas possible. Le choix va être simple. Si ton budget est limité, oublie Apple. Apple, c'est du haut de gamme. Point.
Il n'y a pas de discussion. Tu as peut-être l'iPhone SE qui est un petit peu moins cher, mais qui reste quand même très cher pour ce que c'est. Ton budget est limité, passe chez Android. Tu cherches la sécurité et la simplicité, et bien sûr, garder un smartphone longtemps. En fait, iPhone, c'est un investissement, sachant que tu le revendras très cher d'occasion. Quoi qu'il arrive, c'est peut-être cher au départ, mais tu ne perds pas forcément d'argent. Tu vas peut-être perdre 300 euros sur 2 ans, 3 ans. Alors que sur Android, tu achètes un smartphone à 500 euros tous les ans, que tu revendras beaucoup moins cher. Je vous laisse faire le calcul. Après, voilà, ça dépend aussi des goûts. iOS, est-ce que tu aimes? Android, est-ce que tu préfères? L'ouverture au monde. Je pense être un pro Android, mais depuis que j'ai eu un iPhone, c'est vrai que je suis un peu entre les deux. Je ne sais pas encore faire mon choix. Et voilà pourquoi j'ai sorti cette vidéo et je compte sur vous pour me donner votre avis. Je ne veux pas de guerre Android iOS. S'il vous plaît, pas chez Tukimonti. Ou alors vous vous abonnez tout de suite, ça n'a rien à voir. J'en ai fini pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukimonti toute ta vie.